Joe, tu fais pas photo, tu fais direct sur la photo. On va pas avoir de ces belles photos là. Je pense à toi. Voilà, un peu. Ouvre, écarte. Non. Les personnalités sont là. Attendez. S'il vous plaît, les journalistes avancez, c'est pas comme ça on rentre. Oui, on est attendu. Oui, avancez. Non, avancez, s'il vous plaît. La presse. Mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Les gars, mettez-vous de côté. On est ici en même temps. C'est pas moi qui faisais l'escale, c'est le petit portail. Bon, les policiers vont nous juger d'abord avant qu'on y rentre. Il va faire un temps pour la pique de l'espace. On ne peut pas rentrer. Laissez la presse entrer. Ouais, c'est pas grave. Ça porte la bandeur, Attendez. Laissez la presse entrer. Voilà. Vous devez laisser la presse entrer. C'est un point de choc.
Ah, d'accord. C'est une personnalité. Oui. D'accord. Appelez-moi là. Oui. Oui, on veut dire. Après, on va se voir tout à l'heure. Ouais. Mais tu m'as pas encore pris. Hein. C'est mon ami qui me voit. Depuis cette transition à l'intérieur. Non, non, pas à l'extérieur. Oui, je t'ai vu. J'ai vu de loin quand je passe. Non, Corona, ça cache de bonnes choses. Corona, là, on peut passer. L'ordre, ça bouge. Ah, ok, d'accord. Ouais, moi je m'en laisse entrer mon bas de. Ouais, je suis dans le jeu. Nous sommes dans l'enceinte de la commission électorale indépendante. Comme vous le constatez, les personnalités sont assises. La VP Mbomassani. Tout le monde est là. Et dans quelques instants, nous allons procéder au dépôt du dossier de candidature du président Laurent Gbagbo. L'honorable Marie-Odette Lorient, on a le président Georges Armand Oumien, on a le professeur Ibrahim, le président du Conseil de contrôle. Comme vous le constatez, il y a l'honorable Akoum. On assiste à l'entrée du ministre Emmanuel Monnet. Tout le monde est là. Bon, chers spectateurs, enfin, il y a le débat qui nous sommes effectivement à la CEI pour le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo. Les autorités du Congo. La vice-présidente Marie-Odette Lorient et Anangama. La première partie. Venez, venez, s'il vous plaît. On m'a dit, il est là. Allez-y, devant nous. Je suis pas derrière. Il faut bouger, bouger, bouger.
Comme vous le constatez, nous sommes dans l'enceinte de la commission électorale indépendante. C'est la phase d'installation des personnalités. Donc restez connectés pour ne pas rater une seule seconde de cet instant. Restez connectés pour ne pas rater un seul instant, une seule seconde de ce moment, de ce grand moment. Connectez-vous, partagez. Je préfère d'attraper la caméra. Restez connectés, partagés. Tout à l'heure, nous serons dans l'enceinte. Nous serons dans le bureau pour le dépôt effectif de Jean-Yves candidat.
doit être là. Ouais, c'est plus deux trucs intéressants, lui, Ça va?
Michel Bago. FPNTV. Non, il dit qu'ils ont bloqué à la porte. Je ne sais pas là-bas. Qu'est-ce que c'est à la porte? À la grande entrée là-bas. À la grande entrée. Oui, je ne sais pas quand, oui, on attend le président de la CEU, Kiver, qui va venir d'un moment à l'autre. On attend le président de la CEU qui va venir d'un moment à l'autre. Quand il sera là, voilà. Quand il sera là, les journalistes seront. Le cortège est qui? D'accord, ok. Après,
prendre le dossier de la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc, pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes en direct de la CEU pour le dépôt des dossiers de candidature du président Laurent Gbagbo. On attend que le président de la CEU, Cubert, arrive pour véritablement rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci de rester connecté, partager au maximum le direct. Nous allons vous faire vivre chaque instant de ce moment de dépôt des dossiers. Oui, nous disons toujours que c'est ce qu'on ne connaît pas, on appelle « hé ». C'est celui qu'on ne connaît pas, qu'on appelle « hé ». Donc, le président Gbagbo Laurent fera acte de candidature et la lutte continuera. Merci, merci de rester connecté. Merci de rester connecté, 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 connecté. Merci, merci. Et nous allons vous faire vivre ce moment en direct. Nous sommes ensemble depuis la commission électorale indépendante. Vous voyez, les journalistes sont déjà là. Nous sommes là. Salutations à tous. Salutations à tous. Salutations à tous et à toutes. On attend le président de la CEU. On annonce l'arrivée du cortège du président de la CEU. Attendre que je peux avancer les prêt. Un verre de jus. Non, non, c'est votre chose là-bas. Un verre de jus. Jus, jus. 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 Tu es arrivé avant moi. Tu sais avec quel cas des yeux, je vais. Écrivain, c'est le monde. Je vais le mettre des écrivains. Il y a une petite maison qui a passé là, il m'a posé pour un. Ouais, je t'invite, Jérôme. Il y en a un, prends, lui fait. C'est là. Ouais, il y a pas de croissant aussi.
Non, quand tu vois, je suis là. Il n'y a pas quoi faire. Quand tu vois tout ça, c'est un peu Il n'y a pas de croissant, il y a des salles. Tout à l'heure, on attend l'arrivée de la... On attend l'arrivée de M. Cuibier, président de la commission électorale indépendante, pour enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci de rester connectés pour ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes dans l'enceinte de la commission électorale indépendante. Oui. D'un moment à l'autre, le président de la commission électorale fera son entrée dans la cour en vue de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. Donc restez connectés. Ne vous déconnectez pas, partagez au maximum. Partagez. Voilà. Donc, disons à tout à l'heure. Donc, on va se revoir tout à l'heure. Restez connectés. Vous faire vivre ces instants. Comme si vous y étiez. Comme si vous y étiez. On vous reprend tout à l'heure. Autorité, pourquoi c'est venu drastique, je dirais. Aujourd'hui, c'est venu drastique. Non, 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 mais il y a la carte de presse. Non, mais la carte de la presse en ligne, il y a la presse en ligne. C'est bon. Il n'y avait pas de...